Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la Nièvre, dans le Morvan, plus précisément à Moulins-en-Gilbert, connu pour ses parties de chasse à courre de cerfs notamment, et c'est d'ailleurs dans cet étang derrière moi que les cerfs sont tués à la fin de chaque partie. Vous voyez qu'il y a des charolais tout autour de moi, ce sont les charolais de Philippe Achard qu'on va aller voir dans un instant dans ces montagnes. C'est parti. Bonjour Philippe, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Alors qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Eh bien, je vous présente la pouliche de Batika d'Angilbert, qui est une fille Parasinger. Batika qui est un petit peu ma chouchoute parce que elle a... Pour quelle raison ? Elle a fait une course en steeple, elle a gagné, et puis malheureusement après elle s'est blessée, il a fallu l'opérer. Et donc elle a une broche à l'antérieure gauche. Voilà, c'est un petit peu ma chouchoute. On a plein d'espoir sur cette jument et sa production surtout. Et justement, alors ça qu'on voit, la pouliche là qu'on voit, ça c'est sa premier produit, donc par Rasinger. Voilà, c'est son premier produit, donc Rasinger qui était un étalon qui me plaît beaucoup par sa morphologie. Et puis avec Batika qui était une Daramsar, qui est un cheval, un étalon qui me plaisait beaucoup aussi, qui est très beau. Est une fille de Flora d'Angilbert qui a gagné à Auteuil, la famille de El Paso de chez Cyprès et Quatil. Donc c'est une bonne origine et j'ai plein d'espoir sur cette pouliche qui peut-être sera présentée à Decize si tout va bien cette année au concours régional. Alors en tout cas, cette pouliche, ça c'est une de tes trois foals et là on les voit justement les deux autres. Tu peux nous en parler, nous en... Tout à fait. Et bien donc là-bas, enfin en premier plan, vous avez une Reling par Rolmantina. D'accord. Qui est une beau modèle aussi. Et puis là-bas, vous avez un mâle de Loro par Madeira d'Angilbert, qui est de la même famille que Batika, enfin Flora, toute ma première lignée. Quoi, voilà. Le mâle était déjà vendu, les deux pouliches sont à vendre, c'est ça ? Voilà, le mâle est déjà vendu. Et puis avant, oui. Voilà. Dis-moi Philippe, 2017 c'est une année un peu spéciale pour toi, pourquoi ? Ça fait 30 ans où j'ai eu ma première jument et oui. Voilà, il y a plein de souvenirs, plein d'émotions et puis voilà, j'espère que ça va durer encore longtemps et puis les 30 prochaines années. Ouais, exactement, merci beaucoup Philippe.